tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la Miaou Box du mois d'avril. On avait déjà reçu une Miaou Box le mois de décembre et j'ai demandé qu'ils m'en renvoient une parce que je suis vraiment très interrogée par ce qu'il se trouve à l'intérieur. Et c'est toujours un plaisir d'ouvrir les box avec Iris, j'adore voir sa réaction. J'ai bien sûr... Iris, mange pas le carton. J'ai bien sûr déjà ouvert la box toute seule parce que j'aime bien voir la réaction de Iris en live, mais à première vue je suis plutôt satisfaite du contenu à part une petite chose, mais je vais vous en parler. Donc c'est parti, Iris, tu es prête? Elle croque déjà le carton. Allez, c'est Noël. Comme d'habitude, on retrouve le petit livret. Et à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'on a, Iris? On a deux petits jouets 4 toys. Donc il y a bien sûr de l'arbre à chat et ça fait du bruit. Iris, t'en penses quoi de ça? Ça sent l'herbe à chat. Bon, on déballera tout à l'heure pour voir. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça, mais trop cool. J'ai trop hâte de tester sur Iris. C'est un masseur de tête pour chat et chien. Attendez, on va tester tout de suite. Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, il faut prendre comme ça. Là, je sais pas si on voit. Ah mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas agréé. On a une souris en tissu et comme d'habitude, il y a... Iris, elle cherche la nourriture. Et comme d'habitude, il y a de l'herbe à chat dedans. Ah, elle est toute douce. Elle est mignonne, cette petite souris. Oh, c'est doux. Ça viendra plus tard. Ensuite, on a des friandises pour chat, compléments alimentaires pour chat. On a 50 grammes. Je ne connais pas du tout cette marque. Ingrédients agneau 37%, riz, collagène, inuline. Donc rien d'alarmant dans la composition. Là, je suis hyper contente. Ce sont des petites friandises pour Pâques et je crois qu'Iris veut absolument les goûter. On va les goûter en live. Je vais chercher un ciseau. Elles sont grosses. Tiens. Bah, c'est toujours partante pour la nourriture. Alors, elle valide, bien sûr. C'est vraiment très rare qu'Iris ne valide pas les gourmandises. Elle en raffole. Ouais, moi c'est pas mal. C'est pas mal. Encore une. Oh! Bon, Iris, on met ça de côté. Hein. C'est bon? On a goûté. J'espère qu'elle va pas faire un trou dans le paquet. Ensuite, on a des mousses chicken et yam. D'après ce que j'ai vu dans le petit dépliant, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve quelquefois des explications par rapport à des produits. Donc, c'est des produits au plus près de la nature. Chez Dingo Natura, tous les produits sont naturels, sans conservateurs, sans colorants et sans OGM. Les mousses sont délicatement cuites à feu doux, ce qui permet de garder tous les nutriments et de respecter la digestion du chat. Et de plus, en plus de respecter votre boule de poils, les produits
Mims sont issus de la pêche durable et d'élevage en pâturage libre. Les emballages sont recyclables et ne participent pas à la déforestation. Donc je trouve ça vraiment très important. Et en plus, j'ai vu que la composition de ces pâtés sont aussi très intéressantes. Chicken 30%, ham 15%. Mais en tout cas, il n'y a pas de sous-produits ou je ne sais quoi dedans. C'est vraiment aussi très intéressant. Et je ne connais pas du tout cette marque. Et vous verrez tout à l'heure, je vous mettrai un aperçu quand Iris va déguster cette petite mousse. Et d'ailleurs, on en a une deuxième qui est au poisson cette fois. Oui, le ham, ça est... c'est une sorte de viande, je pense. Je vous mettrai ça... juste en bas, et une mousse fish et mucelle. Mucelle, je crois que c'est les moules, donc je pense que ça aussi elle va beaucoup adorer. Et pareil, vraiment des ingrédients naturels, et ça, ça fait plaisir. On a ensuite... Ça, elle a goûté ses gourmandises, elle est partie. Hein. Non mais je vous jure. Ce que je trouve sympa aussi, c'est qu'il y a une revue 30 millions d'amis, il y a pas mal de sujets... sur les chats, je suis vraiment très contente d'avoir cette petite revue, sachant que j'adore la lecture et je trouve que ça change, ça nous fait un petit cadeau pour nous les maîtres. Et pour terminer, ce sont des autres gourmandises anti-boule de poils. Et là, malheureusement, la composition, elle est vraiment plus que douteuse et c'est le seul produit que je reproche à cette box. Malheureusement... je trouve qu'en 2020, on ne devrait plus avoir affaire à ce genre de produit, sachant que les Miaou Box, ça touche quand même pas mal de personnes dans... je pense que ça touche pas mal de personnes, la Miaou Box. Et je pense que c'est important de ne plus mettre ce genre de produit avec des céréales, mais de plutôt mettre en avant tout ce qui est naturel, comme déjà on a pu voir avec les trois autres produits concernant l'alimentation. Voilà, c'est juste ma petite déception, sinon j'adore ce qui se trouve dans la box, que ça soit les jouets, les gourmandises, là le petit gadget, là j'adore, c'est trop fort. Je trouve que c'est vraiment très diversifié, sauf comme je vous disais, ce petit paquet de friandises qui va trouver bonheur quand je vais rendre visite au petit chat sauvage. Dans le petit livret, comme d'habitude, on retrouve diverses et divers infos. Chat mature et enfant, comment gérer les deux. Iris, arrête, tu vas pas manger les gourmandises. Comment décrypter le langage de son chat. Réveiller l'instinct de votre chat avec VitaCraft. Il présente la petite souris qu'il y a dans la box. Des produits... l'alimentation, quel est l'âge humain de mon chat. Donc Iris par exemple, elle a 3 ans et elle a 28 ans. Et puis on a des petites photos ici d'autres chats, je trouve ça intéressant de partager. Iris, t'aurais envie d'être sur la photo? Je voulais encore dire un grand merci à Miaou Box de m'envoyer cette box. C'est vraiment toujours on passe vraiment un grand plaisir avec Iris à découvrir tous ces petits trucs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.